Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Au fin bien fait, au fin connecté à ce live. Parce que la parole de Dieu peut être dispensée. La parole de Dieu pour de nous la nourriture dont nous avons besoin. Et nous connaît que ce soir, nous pouvons être bénis par la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-nous dire le Seigneur merci. Et lui aussi a une occasion pour dire Seigneur, moi donne-toi ça l'étonnant. Moi écoute tes paroles, comprends tes paroles. Afin qu'il soit capable d'agir fidèlement sur cette parole. Seigneur, ce soir nous venons vers toi au nom de Jésus. Papa, tu es un bon papa. Parce qu'il te donne nous une bonne parole. Une bonne parole, un bon mot. Qui nous bien faire. La nourriture solide, afin qu'il nous capable de grandir avec toi. Afin qu'il nous capable de vivre la vie spirituelle qui digne de ce qui te pertain de nous. Alléluia. Et ce soir, nous les dis à toi. Qui nous place devant toi, nous les tend, nos oreilles, nous les cœurs, nous les tend de paroles, nous les comprends-lui afin que nous capables de méditer et agir fidèlement l'auteur parole. Afin qu'il a réussite le succès de poursuivre nous la vie. Alléluia. Oh merci, papa. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Quand ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Connecté avec sa parole, la parole de Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Quand ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Une dernière fois, Dieu est capable. Allez. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.
Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Nous glorifions toi, Père. Nous rendons toi grâce. Merci, notre Dieu. Un plaisir pour nous, pour assis à tes pieds, pour recevoir l'instruction. Ta parole qui forme nous, Seigneur, qui façonne nous, qui fait nous du bien, qui libère nous, qui guérit nous, qui transforme nous. Ta parole permet le miracle déclencher dans nous la vie. Ta parole, Seigneur, permet-nous de faire l'expérience avec toi. Expérience de ta manifestation, de ta puissance, de toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Nous connaissons dans ta parole et dans la puissance pour guérir, pour délivrer, pour transformer, pour agir, pour faire du bien. La puissance de l'enfer n'a plus aucun pouvoir contre ta parole, Seigneur. T'envoies ta parole et t'apportes la guérison. Oui, notre Dieu, le Dieu qui parle, le Dieu qui cause avec nous, Seigneur. Tu fais tout le temps cause avec nous pour nous dire bien, tu continues cause avec nous pour nous dire bien, Seigneur. Louange à toi, Papa. L'honneur à toi, notre Dieu. Au prie-toi pour tous ceux qui écoutent ce message ce soir, Seigneur. Tous ceux dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel endroit, que vous êtes capables de trouver actuellement. Au prie-toi, Seigneur, que cette parole fasse l'effet. Et que, Seigneur, notre Dieu, nous capables de faire l'expérience avec toi, à travers ta parole. Ta parole apporte la lumière, l'éclaire-nous. L'éclaire-nous si bien, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, acclamé, exalté, Seigneur, dans tous les siècles et des siècles. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonsoir de tout. Et nous accueillons les autres ce soir dans nos lives. Et nous croyons que bon Dieu vous bénisse à travers ces paroles. Je vous demande de prêter beaucoup l'attention lorsque vous tendez. Ouvrez le cœur. Laissez parole faire sur les faits. Nous ne pas vous dire que ceux qui sont nouveaux, qui jamais entendez, parce qu'il n'y a pas aucune nouvelle révélation que mon Dieu vous donne nous maintenant. Dieu finit de donner toute bonne révélation qui besoin. Tout trouve dans sa parole. Et nous gagnons une bonne révélation par ce Saint-Esprit. Et nous croyons que je vous passe un très bon moment ce soir dans la parole. Merci Seigneur. Nous pouvons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13, parce que le verset de référence qui nous mettait le nous poste, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13. Quand il dit, hein? Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, etc., etc., etc. Pour vous faire référence dans la ligne quotidienne, employant, verset 13, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ce sont mes causes avec vous, le langage qui nous utilisons dans le royaume de Dieu. Quel langage qui nous servit dans la famille de Dieu? Quel langage qui nous servit parmi quelqu'un qui compte Jésus, qui veut marcher avec Dieu? Le langage les détermine de l'état spirituel. Le langage les détermine si nous croyons dans ce qui bon Dieu dit ou non. Le langage les détermine quand nous y aller.
Il suffit qu'il écoute l'engage d'une personne, vous finissez de connaître quelle direction il peut prendre. Et mon cas d'avance, c'est qu'on a envie de connaître quelle direction on peut prendre dans la vie spirituelle. Il suffit qu'on écoute nous-mêmes causer. Pas besoin d'écouter les autres du monde causer. Écoute nous-mêmes causer, écoute le langage, écoute même les paroles qu'on prononce. Parce que connaît, la parole, c'est quelque chose qui nous exerce là-dedans tous les jours. Nous causons beaucoup, nous prononçons des mots beaucoup, nous prononçons des phrases. Et pour dire qu'il nous a un langage, un moyen qu'il nous utilisait pour causer avec les autres, pour communiquer avec les autres, pour permettre une communion exister, une relation exister. Quel langage qu'il nous utilisait? Langage spirituel, il est clair qu'il peut causer un langage de l'esprit. Spirituel vient dans les mots esprit. Tu te connais, pharisien, qui l'a dit à nous très clairement dans Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Il dit à nous très clairement, pharisien, qui est, nous adorons bon Dieu en esprit et en vérité, parce qu'il bon Dieu l'esprit. Et Dieu peut servir ben vrais adorateurs. D'accord. Dieu l'esprit. Pour nous capables de communiquer avec mon Dieu, nous devons communiquer avec lui avec un langage spirituel. C'est un langage spirituel qui fait nous rendre en communion avec mon Dieu. Il y a un peu gain l'occasion de poser cette question-là dans la réunion des délivrances qui m'a dit hier. Je vais expliquer maintenant qu'il y a beaucoup de l'assiser là aujourd'hui. Et qui veut dire langage spirituel. Enough peut dire que c'est un langage qui nous dit, nous parle en langue. La Bible cause nous parle en esprit, en langue. Nous, l'esprit lié en prière. Certes, la prière en langue, ils font partie dans le langage spirituel. Mais nous ne pouvons pas parler de ça maintenant, aujourd'hui. Parce qu'il dit nous très clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Il dit, celui qui parle en langue, il peut parler à Dieu. Il veut dire, Dieu est esprit, il parle en langue, il parle en esprit, bon Dieu comprend lui. Communication là, il fait. Ça, c'est un autre message qui nous va voter à notre occasion. La prière en langue, la prière en esprit. Et bien sûr, nous va apporter beaucoup l'éclairage de ce côté-là. Pour qu'il y ait du monde qui est éclairé. Et qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas connu, qui veut dire parler en langue. Surtout ben nouveau, ben du monde qui écoute nous le Facebook, le YouTube, pour ne pas dans une confusion totale, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire, je peux qui la prière, je peux faire, je ne comprends pas du tout. Right? Alors, tout ça, là, il y a besoin d'un problème ben d'éclairage pour que ben du monde éclairé, parce qu'on finit tout le temps de dire ça, c'est que, et tout le temps quand on nous dit qu'il se il ne faudrait pas que nous croyons que tout le monde peut comprendre. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand on veut dire qu'il se tout le monde peut comprendre ce qu'ils veulent dire. Et pas nécessairement. Parce qu'il dépend au niveau ben, du monde qui peut recevoir, c'est un moment qui vous peut causer là, qui vous peut communiquer avec les autres. Il y a un langage qui parfois ou pas utilisé quand on cause avec un du monde qui, on nous dit en guillemets, il n'est pas un fait trop grand classe parce qu'il y a un mot qui est un peu faux, qui peut-être pas beau. Il a besoin de détailler, il a besoin d'expliquer. C'est normal ça. Il n'est pas vraiment. Vous savez un mot qui est utilisé dans Forme 5 avec un enfant qui est dans Fers. Je ne sais pas vous comprendre ce que vous pouvez dire parce que ça me voulait un peu faux. Il y a un thème qui dans la Bible qui nous besoin. C'est tout quand on peut faire live, quand on peut prêcher live, quand tout le monde peut écouter. Il nous besoin de servir un langage plus facile pour que tout le monde comprenne et pour que tout le monde connaisse ce qu'il peut faire. D'ailleurs, il y a ceux qui n'ont pas le problème de dire, ils disent qu'on prie par la langue. Si un du monde vient, il ne connaît pas ce qu'il peut dire, vous prenez une bobo pour lui, il ne peut pas comprendre rien qui peut arriver. Qui peut passer parce qu'il ne peut pas comprendre rien qui peut arriver. C'est bête qui nous servit dans certains termes, dans certains langages, qui m'a dit, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas édifier, je ne peux pas servir dans rien, c'est bête. D'ailleurs, il dit, nous, un don spirituel, bon Dieu, fin donné, pour l'édification commune. Il faudrait qu'il y ait les autres, je peux bénir pour ça. D'accord?
La langue qui nous permet de manger, mon cause n'importe quoi, de le parler en langue, d'arriver à prononcer même parole négative, très très négative, hein, nous permet de manger, mon cause même qui sont très très négatifs, le sauveur de Dieu, quand on peut mal exprimer, quand on peut mal faire. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui donne dans 1 Corinthiens 5, 14, tout détail, il a bien en détail concernant le don spirituel, parce qu'il dit, si le don spirituel, ou bien le mouvement dans l'église n'est pas équilibré, n'est pas balancé, n'est pas dans l'esprit, parce que s'il n'est pas dans l'esprit, il est dans la chair. Il faut faire plus dito qui dit bien. Bon, ça c'est en parenthèse que je finis en parlant de le langage spirituel à travers les parlées en langue qui était très prochainement mon à cause de là, n'est pas pour l'éclairage pour que je comprenne exactement ce qui peut passer. Merci Seigneur. Mais là, mon cause avec vous, un autre aspect de langage spirituel, c'est mon intimité dans nos postes. Le langage de la foi. Il y a un langage qu'on appelle le langage de la foi. Ça aussi pareil, nous, il suffit qu'on écoute un démon causer ou bien nous écoute nous-mêmes causer. Pas seulement écouter le démon, nous écoute nous-mêmes. Nous pouvons arriver à connaître qui, si vraiment c'est un langage qui nous peut servir, il y a un langage de la foi. C'est un grand exemple que la Bible donne nous, qui nous utilisait quand il cause nous la femme de perdre des sangs. Bon Dieu arrivait convaincu quand il finit d'entendre parler de Jésus, qui dit bien pas cause avec Dieu, mais bien cause avec lui-même d'abord. Moi, je crois qu'il y en a beaucoup des fois, nous bien cause avec nous-mêmes, et, ou bien nous écoutons nous-mêmes qui nous peut dire, parce que quand il peut cause avec lui-même, il peut entendre qu'il peut dire à lui. Il finit connaître qu'il peut recevoir un miracle. Il dit, c'est tous beau, je m'en excuse, je vous guéris, mais c'est lui qui finit d'arriver. Lili détermine quand il y a une guérison là, quand il y a une délivrance là. Qui fait parce qu'il fait une cause avec lui-même. D'accord? Et parler avec les autres est important parce que le langage, les langues, existaient pour communication. Dans chaque pays, dans chaque culture, dans chaque peuple qui existait, chaque nation, il y a une langue qu'ils ont utilisée pour communiquer, pour un développement. Et je te connais, Pharisien, que chaque pays, chaque nation, il y a l'histoire des autres. Il y a l'histoire. Quand on nous cause l'histoire, Pharisien nous cause aussi notre langage. N'importe qui porte du monde, si vous allez, besoin à qui ça peuple-là, c'est une langue qui est utilisée, une conversation, un langage qui est utilisé. Vous êtes capable de communiquer à travers votre langue, bien sûr, le langage vient dans le mot langue. Je veux dire, à travers votre langue, vous communiquez. On dit dans Maurice, langage créole. Pas toi. Il y a une histoire de chaque population, il y a une expression. Vous pouvez manquer que dans chaque pays, il y a chacun d'autres expressions différentes. Une expression différente. Nous allons en détail, on a beaucoup d'exemples, pour qu'à cause de la stella. Même nous pouvons trouver une autre culture, une musique, un instrument de musique, une danse, un comportement. Il y a divers talents qui sont différents de tous les autres pays, d'autres vêtements, d'autres la mode. D'autres menus, de gastronomie, tout ça là, c'est différent. D'accord? Et bien sûr, mon cause de là, mon cause de tout ça, mon point là, pour venir qu'il y a chaque peuple, chaque nation, dans notre propre culture, mon fin de mais dans notre propre croyance. Dans le monde entier, il y a diverses croyances. Il y a même un pays dans le monde. Un seul pays qui a plusieurs cultures, plusieurs croyances, plusieurs dieux, comment nous dire. Quand on dit croyant, il y a Dieu, plusieurs. Et bien sûr, quand on cause Dieu, pour c'est une communication en parlant du langage de la foi, automatiquement, il y a un langage qui est utilisé, il y a une langue qui est utilisée, il y a un langage, il y a une expression de parole, à travers parole qui nous démontrait. Nous exprimons nous-mêmes. Right? Nous exprimons nous-mêmes à travers nos paroles.
En fait, la langue pharisée, le langage manichéen, c'est un moyen de communication. Pour donner l'exemple, si un bébé né aujourd'hui, hein, né dans Maurice, né aujourd'hui, il grandit dans une maison qu'on n'a qu'aux Anglais, mais il est beaucoup aux Anglais. Parce que la langue-là, il est pour communiquer. Lui. Un moyen de communication. Dans n'importe quel pays, vous voyez, hein, si maliné aujourd'hui, ou elle quitte une famille, dans n'importe quel pays, qui n'a sa propre langue, on a dit natale, maternelle, vous n'êtes quitté là-bas, vous trouvez des pouvoir exprimer pareil, comme ça, même, vous savez, même langage, parce que communication. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, soit exalté. Merci Seigneur. Quand nous causons langage aussi, pharisiens, il passe un mot en parole avec la langue. Vous connaissez qui est capable de nous attendre, cause-nous langage des signes. Tu m'as dit, quand tu peux causer, je peux faire signe. Ensuite, les doigts, la main, on a un langage, ça. Langage des signes, appelle ça. Il ne faut pas en détail, là. Il y a aussi langage du corps, body language. Ou quand tu m'as dit, on ne peut pas causer, sur façon, sur l'écho, sur mon expression du corps, il peut dire quelque chose. Il peut dire quelque chose. D'accord? Dans le body language, etc., qui me cause des acronymes, nous pouvons se faire tout cela qui fait pour Montezot qui et nous donne l'expression physique. Dans la vie spirituelle, souvent des fois, il démontrer, il passe un message, c'est un langage ça, il passe un message qui peut passer à l'intérieur. Un comportement indimune dans la vie spirituelle, ce comportement du physique, pourtant comportement là, vous finissez qu'on est qui peut passer à l'intérieur de lui, et spirituellement parlant. Parce que c'est un langage, sur le corps peut causer, peut donner un message, voilà. Donner un message, voilà. Peut communiquer un message. Quelque part dans les actes des apôtres, il dit nous très clairement, Paul, tu peux prêcher. Les guétains quelqu'un, les gens trouvent la foi, ils trouvent ça quelqu'un a la foi pour être guéri. Je veux dire, la façon dont tu peux exprimer ça, quelqu'un a quand il peut écouter le message, sur une attitude, sur une réaction quand il peut écouter le message, et tu peux passer un message qui peut croire, qui est capable de guérir. Et l'apôtre Paul dit ça, quelqu'un a peut guérir et vraiment le guérir. Est-ce que vous comprenez? De même, il y a ce côté négatif, langage négatif. Ce côté, bien sûr, négatif, du contraire. Hein. Jésus-Christ s'y trouvait quand il rentre dans un lieu, dans une place. Il connaît quand quelqu'un peut croire ou bien pas peut croire. Il dit, lui, il rentre dans cette région-là, il n'est pas capable de faire un miracle parce que Mandimouna est incrédule. Souvent, des fois, quand il peut prêcher, un pharisien, un script persisé, et il trouvait que ce quelqu'un n'a pas une diverse pensée, c'est comme si il réfute Jésus-Christ, je ne suis pas d'accord avec ce que Jésus peut dire. Et c'est ce qu'il dit, mais qui fait-il dans cette pensée-là de toute l'équerre? Qui fait cette réaction? C'était un langage. Langage de la foi, pharisien, c'est une parole qui nous est capable de prononcer, une confession, une déclaration qui nous fait, ou même une attitude, un comportement qui nous est capable de manifester pour démontrer si pas nous dans la foi ou non. Par exemple, pour donner un exemple, un démon n'est capable de venir l'imposition des mains. Il peut venir l'imposition des mains, ou il peut venir à la foi, parce que l'action qu'il peut faire peut venir l'imposition des mains. Il peut démontrer qu'il a la foi pour être guéri. Non, non, non. Il est capable de venir à la foi. Il peut venir par tradition. Parce qu'il n'a pas de venir, lui. Mais il n'est pas malade aussi, il dit pour venir lui, l'imposition des mains, parce qu'il est content de l'imposition des mains, il dit pour venir. Il n'est pas tout gagnant ici, il dit pour venir lui. Il veut dire, tu veux dire. Il y a ce côté positif, quand un démon est dérangé, il est venu. Ça s'entend là, tu viens vers Jésus, tu dis Jésus, je te connais. Il dirait, j'ai un mot, mon serviteur guérit la case.
Zarius a vu Mandimon pour venir, venir prier. Il y a Jésus venu, venir prier, motifie. Il prie pour mort. Vous dites, ben, ça m'a une réaction là, ça m'a une attitude là, ça m'a un langage qui se peut servir, ça m'a une parole qui se peut prononcer là, peut démontrer qu'il se donne la foi. Le langage de la foi. Quand on a la foi dans le cœur, quand on croit ce qui est bon de dire, quand on croit dans la puissance de Dieu, hein, l'idée est montée à l'extérieur. Pas en façon de faire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, est-ce-moi, écoutez-moi bien sûr, écoutez-moi. Hein. Est-ce que vous êtes en train de faire? Vous connaissez mon capable d'une situation difficile actuellement là? Vous êtes capable d'une situation difficile actuellement? Oui? Et dans ce moment-là, vous pouvez confesser pour mettre bon Dieu, vous pouvez fouiller, vous pouvez confesser, vous pouvez déclarer, vous pouvez méditer la parole de Dieu, vous pouvez quitter qui bon de dire. Ce n'est pas nécessairement que vous utilisez un langage spirituel. Ce n'est pas nécessairement que moi, quelqu'un qui est dans un langage spirituel. Qui fait qu'à cause de ce moment-là, je suis capable de cause comme ça, parce que moi, j'ai un problème. Ce qui nous fait trouver souvent des fois. Quand est-ce qu'il y a un chrétien le plus zélé, le plus motivé, le plus enthousiasmé? C'est quand je n'ai pas d'un problème. Les temps qui se passent longtemps pour trouver les temps pour prier. Les temps qui se passent longtemps pour venir dans la communion fraternelle avec un chrétien dans l'église, ou pour tous les autres, il y a un lien, qui fait, parce que je suis conscient que je suis dans un problème, j'ai besoin de venir pour recevoir qui sont, parce que j'ai besoin de sortir là-dedans. Ce n'est pas ça qu'on appelle le langage spirituel. Langage spirituel, c'est dans 7 jours, dans une semaine, 7 jours pour confesser ce qu'ils m'ont dit. Moi bien, moi pas bien, moi malade, moi pas malade, moi dans un problème, moi pas dans un problème. D'accord? Vous pouvez passer dans un moment difficile, vous pouvez passer dans un moment difficile. Moi, je vous confesse tout le temps ce qui est bon de dire. Moi, je peux utiliser ce parole dans n'importe quel domaine de la vie. Moi, j'ai un langage spirituel, moi, j'ai un langage de la foi. À cause même qu'il dit nous dans Romains, il dit nous, le juste vivra par la foi. Il dit nous ça, le juste vivra par la foi. Encore, on connaît qui veut dire le juste vivra par la foi. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Le juste vivra par la foi. Qui veut dire ça, pharisien? Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que un juste, l'époux, en tout temps vivant, comment? Par la foi. Ce qui rend un juste vivant, c'est sur la foi. Et vous connaissez, pharisien, qui, quand, nous sommes dans le monde naturel qu'on ne peut vivre. D'accord? Ne pas vivre lundi, mardi nous mots, mercredi nous vivons, jeudi nous mots, vendredi nous vivons, samedi nous mots, dimanche nous vivons, lundi nous mots. Nous vivons tous les jours. Ne pas vivre grand matin sans nous mots, lendemain grand matin nous relever, lendemain soir nous mots. Nous vivons grand matin, le soir, un jour, deux jours, trois jours, un mois, deux mois, un an, deux ans, nous allons. La vie, quand il dit nous, le juste vivra par la foi, veut dire un juste aussi longtemps qu'il y demeure dans la foi, il est pour vivre dans la justice de Dieu. Il est pour vivre dans la justice de Dieu. Qui fait? Parce que ce qui rend un juste vivant, c'est sur la foi. Dans ce qu'ils vont les dire, dans le moyen qu'ils vont définir de donner. C'est ça qui rend un quelqu'un qui est juste. Le juste vivra, il dit nous, ça dans Romains 5:1, le verset 17, il dit nous, le juste vivra par la foi. Et si nous sommes dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4, il dit nous, le juste vivra par sa foi. Quand on dit comme ça, qui mot vivant, vous vous causez. Moi, j'ai une conversation. Vous pouvez utiliser mon langage. Vous pouvez utiliser mon langue, vous pouvez causer, parce que c'est mon vivant. Et je ne peux pas causer.
Quand nous disons juste vivre, vivre pour la foi, veut dire juste là, du bon langage, le langage du juste. Un juste, frère et soeur, ça c'est dans notre message en lui-même, c'est arrivé il y a dans la Bible. Comportement injuste, ce langage, comment était, qui le dit, qui ne pas dire. Mais ça, c'est un autre message en lui-même. Injuste, ce n'est pas un du monde pareil à tout du monde. D'ailleurs, que ça m'appelle injuste. Injuste, ce n'est pas quelqu'un qui amène faire pécher, non? Non, un quelqu'un qui me fait pécher, mais qui bon Dieu fait injustifier. Voilà. C'est ça qui veut dire injuste. Ce n'est pas un du monde qui fait la faute, ça. Il déjà fait faute, lui. Mais bon Dieu me pardonne, voilà. Right? Donc, ce qui veut dire, il n'y a pas de sénat commun avec bon Dieu, à ce là il n'y a commun. Pareillement, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il y a nous. Nous avons un peuple qui finit acquis, et verset 10, il y a nous, nous avons un peuple de Dieu maintenant. 1 Pierre chapitre 2, verset 10, nous avons un peuple de Dieu maintenant. Longtemps, nous ne tiennent pas un peuple, nous tiennent notre propre langage. Nous ne tiennent pas un peuple, nous tiennent notre propre langage. Nous ne tiennent pas un peuple de Dieu, on peut dire. Nous tiennent notre propre langage. Maintenant, nous finissons un peuple de Dieu, nous avons maintenant un langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est un parmi, et dans les autres termes, les autres mots, me disent où tu allais là, c'est le langage de la foi. Le langage, frère et sœur, il détermine aussi la façon qui nous exprime, nous, la façon qui nous cause, nous langage, right? Il détermine aussi nos caractères. Il y a un monde qui n'a pas un langage agressif. C'est tout dans les domaines, frère et sœur, pour le langage de la foi, ou bien agressif. Quand on dit le langage de la foi, il n'est pas capable de causer avec un démon. Il dit, allez, on rappelle une fois au commencement, très très longtemps, en 1980, ça arrive ça. Tu étais dans l'église avec un pasteur, moi, ensemble, moi, tu prêchais ça, je là, tu as un démon qui avait manifesté dans l'église. Et il est venu, il caresse, il dit, sois tranquille, sois sage, sois sage. Non, non, bien agressif. Avec un démon, bien agressif. Avec le diable qui veut détruire, nous sommes agressifs. Le langage de la foi, c'est un langage agressif, ça, frère et sœur. Quand on exerce l'autorité, parce que derrière, il y a un langage autoritaire, imposant. Ou bien décidé, ou bien déterminé, ou bien cause avec autorité, ou bien c'est un langage d'autorité. Un langage agressif. D'ailleurs, c'est ce qui dit que le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la violence qui est emparée, ça, frère et soeur. Si on ne peut pas faire violence, on ne peut pas emparer. Le royaume de Dieu, il faut faire pression, il faut démontrer un caractère qui est la foi, oui, mais la foi agressive. Ou envie possède ce que bon Dieu nous préserve pour. Donc déterminé dans la vie spirituelle pour rendre sa dimension qui bon Dieu voulait ou rentrer là. L'hypan de la vie spirituelle, comment nous dire, laisser aller, au moment, laisser aller. Nous qui disons, si correct, correct, c'est pas correct, pas correct, pas comme ça, ça. Il y a beaucoup d'agressivité là-dedans, beaucoup de violence. Mais j'ai alimenté mon caractère aussi, même du monde qui est de l'autre côté. Je te pose le langage, je te montre un langage abusif. Abusif, c'est une tendance pour abuser, pour profiter. Un langage qu'on appelle est arrogant. L'arrogance. Un langage d'insoumission. D'insoumission, vous voyez, pas soumettre. Okay? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, comme vous pouvez causer avec vous le langage de la foi, vous pouvez causer avec vous et la foi hein, dans sa bonté véritable qui crée la terre et le ciel, le créateur de toutes choses, qui nous donne nous Jésus pour saper nous la vie, pour délivrer nous, pour pardonner nous, pour gracier nous, pour faire nous du bien. Que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ.
nous faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, étant donc justifié par la foi. C'est en croyant du cœur qu'il nous est justifié. Nous venons au salut de Dieu. Dans Romains, c'est ça. D'accord? Alors c'est tellement important. Bon. Laisse-nous venir la Bible dans Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie, le chapitre 1er. Que ton nom soit béni, glorifié, papa. Le verset. Laisse-nous lire à partir du verset 4 même, parce que c'est un joli récit qui concerne tous, si nous arrivons à lire ça. Ne voulons pas battre nous bénir à travers ça. Dis-nous la parole de l'Éternel, me fit adresser en ces mots, verset 4. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Bon, les bébés, c'est avec Jérémie, là. Hein? Avant que tu formes toi dans le ventre de ton maman, moi tu connais toi, bon de Dieu. Avant qu'il t'en fasse même sortir dans son sein, moi tu consacres toi, bon de Dieu. Moi tu établis toi prophète des nations. Qu'est-ce que tu as causé là, pharisien? Ça, c'est bon de son langage, ça. Comme on cause avec vous, le langage de la foi, c'est nous servir le langage qui bon Dieu servit. Vous dites, mon frère, mon Dieu peut dire, le Jérémie, avant qu'il me forme toi, dans le ventre de ta maman, moi, tu connais toi. Avant qu'il te vienne sortir dans son sein, moi, fin consacrer toi. Moi, fin établir un prophète des nations. Comment moi, capable d'associer ça avec moi? C'est facile. Alors, au lieu qu'il vous dise, bon, mon nez, le sang de la terre là, pas qu'on est qui fait mon nez, mon sagrin. Ou bien, ou le maudit date que vous finissez, qui fait moi exister le salataire là, mon peine à valeur, mon peine à l'importance. Ça veut dire qu'on peut causer un langage qui est négatif. Vous pouvez causer un langage qui passe selon la parole de Dieu. Que vous en faire? Ou qu'on fait ce qui est bon, fin de dire aux Jérémie, ou dire, Seigneur, me connais qui, avant même qu'il me tienne formé dans le ventre de ma mère, te tu connais moi. Ça, c'est un langage de la foi. Te tu connais moi, Seigneur. Avant même qu'il me fasse sortir dans le ventre de mon maman, de te consacrer moi. De te appeler moi pour servir toi. De te faire établissement comme un enfant de Dieu, comme un prophète, comme Dieu finit appelé comme ses enfants, comme un serviteur. Vous ne pouvez pas dire où serviteur, parce que vous ne parlez exactement de quelle direction, bon débat, dirigeant. Comme un serviteur pour servir toi. Dans l'île Maurice. Jérémie répond, Seigneur l'Éternel, vous ne pas qu'on cause mon coin des enfants. C'est un langage. C'est un langage. Dieu a un autre langage là. Dieu peut causer un langage, il peut causer un autre langage. Dès qu'il peut dire, il peut causer son incapacité, son faiblesse, son côté négatif en lui. Vous ne pas qu'on cause moins d'enfants. Bon, Dieu est causé encore cette fois-ci. Ça, c'est le langage de la foi. Et qui m'ont dit? L'Éternel me dit, n'a pas dit, arrête dire, arrête cause ça qui t'est causé là. Ce langage-là, tu faisais faire les diminuer en toi. Pour dire disparaître même en toi. Arrête d'y être un enfant. Arrête de dire que tu n'es pas capable. Arrête de dire que tu peines à valer, tu peines à l'importance. Arrête d'y, arrête de cause comme ça. De quoi me guérir? Arrête d'y, me quoi me pour sortir dans cette situation-là. Pas dire. Pourquoi la mort peut atteindre moi maintenant? Pas cause comme ça, bon de dire. Tu vois, il y a des langages qui peuvent dérouler là. Un langage terrestre, un langage, comment dire, on appelle en guillemets, chanel aussi. Chanel, terrestre, chanel. Et de l'autre côté, nous pouvons ça, langage de la foi, langage de Dieu. Quand nous causons le langage de la foi, c'est le langage qui, c'est la parole de Dieu. Bon Dieu peut causer, il a dit ainsi, l'Éternel dit. C'est parole, bon Dieu, hein. Bon Dieu peut causer, il a dit, sa parole qui est dit, c'est sa parole. Qui fait que tu ne sais pas dire que tu es un enfant parce que tu peux pas lever
tout le monde qui m'ont pas envoyé toi. Et tu voulais ça manger mon nas qui m'ont mettre dans la bouche pour dire. Langage de la foi, c'est ben parole qui bon Dieu met dans la bouche. Pas parole qui ont envie de dire, qui ont content de dire, qui paraît bon pour dire. Non, frère et sœur. Ce qui bon Dieu met dans la bouche pour dire. Langage spirituel, langage de la foi, c'est le langage qui bon Dieu met dans la bouche. C'est pas ce que vos parents font mettre dans la bouche, c'est pas ce que la société met dans la bouche, c'est pas ce que X ou bien Y font mettre dans la bouche, mais ce que bon Dieu met dans la bouche, qu'est-ce qu'il dit? Papa, quand je suis avec toi pour te délivrer. Parce que nous vous causer, aïe, mon père, un père, aïe, mon père connaît qui vous passez, aïe, mon équipe est battue folle, aïe, mon père connaît, mon père a un sommeil, aïe, mon stressé, aïe, mon père connaît, mon été fatigué. Nous vous causons comme ça. Ça, c'est le monde naturel. Nous, le langage naturel, il cause comme ça, même lui. Nous, le langage naturel, c'est ça, nous, le langage naturel. Nous, langage naturel, il vient de la vieille nature. Mais nous, langage spirituel, nous, langage de la foi, il vient de l'homme nouveau, la nouvelle nature. La nouvelle nature, il peut être un langage comme la vieille nature. C'est tous les deux, il est en contradiction, il est opposé. Comme ça, il dit nous, dans Galates chapitre 5, mort selon l'esprit, je ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Quand nous mortons par l'esprit, nous pouvons avoir un langage de l'esprit. Quand nous mortons par la chair, nous pouvons avoir un langage de la chair. D'accord? Et comment il y a même un petit peu de choses là, vous connaissez, et toutes les paroles qui nous prononçaient depuis dans nos labos, paroles là, elles pourraient nous venir nous encore. Il vous vient une plante, il vous vient une fatale, il vous vient un pied piquant, qui vous vient autour de nous. C'est négatif, je veux dire. Il vous vient vers nous encore. Qui s'en vous paye les pots cassés? C'est nous-mêmes. Qui nous besoin de faire? Nous causons ce qui vont les dire. Même si ce qui nous peut causer, nous ne pouvons pas encore réaliser, nous continuons à causer. Parce que la Bible dit nous très clairement, bon, Dieu, dit ça. Il dit, si tu lis, tu pour réaliser. Tu as besoin de continuer à patience, continuer à croire. Parce qu'il peut arriver, lui. Nous qui pétons l'itardé, bon Dieu, pas pétons l'itardé, lui. Nous, nous tous l'itardé, mais bon Dieu, pas pétons l'itardé. Papa, parce que moi avec toi pour délivrer toi. Puis, bon Dieu, étende sur la main et touche-moi la bouche, Jérémie dit. Bon Dieu, touche la bouche, Jérémie. Moi, mon corps, frère et soeur, que ça touche de Dieu, là, littéralement, répond toi. Quand vous pouvez vous parler en langue avec vous, vous montez au kiffer. Qui fait, bon Dieu, fin de parler en langue? Qui veut? Vous connaissez avec sa langue qui nous a dans le naturel, nous sommes capables de prendre devant bon Dieu et nous ne sommes capables d'utiliser le mot qui est bien utilisé pour capable recevoir de la part de Dieu. Parce que le vocabulaire de l'homme naturel est limité. Dans ce passage dans Corinthiens, chapitre 2, verset 13, il cause nous là-bas. Les genoux, c'est lui l'homme animal. Les causes nous l'homme animal là-bas. L'homme charnel. Il n'est pas pour comprendre les sauts de l'esprit, Dieu. Qui veut dire un monde de différence, ça. Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas servir un mot. Pour nous, nous tout lui paraît bon. Right? Mais en la prière par le Saint-Esprit au travers de nous, c'est une prière sans faille, ça, frère et soeur. Il y a des fous là-dedans. Elle n'a prié pas le Saint-Esprit pour nous dire la prière en langue. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais la faille là-dedans. Les genoux, l'Esprit de Dieu, ils sont tout. Ils sont devait dire là-dedans. Ils mesurent tout. Le Saint-Esprit, il mesure tout. Il y a dans la même profondeur de Dieu tout là-dedans. Vas-y, nous. Veut dire, il servit un mot qui parle dans le fond que le monde était là-bas. Dans la profondeur de Dieu. Et nous ne sommes pas capables, bien sûr, avec nous limiter. D'accord? Donc, au sein qui, ça touche de Dieu, nous la bouche, là, il est tellement important, parce que les paroles en langue, quand le Saint-Esprit pénètre en nous,
Premier qui ce qu'il les fait au travail de nous, il les travaille à travers nous la langue même avant. Je sens que parfois, tu es un chrétien, tu n'es pas capable de contrôler la langue qui fait parce que tu es encore vivre avec sa langue et qui est encore contrôlé par la vieille nature. C'est pour cela que Dieu finit de dire qu'il nous parle en langue. C'est initial que nous finissons de recevoir le Saint-Esprit, le parler en langue, parce que le Saint-Esprit, c'est où il vient la langue qui appartient à lui, la langue qui est disposée, qui a sa portée pour être capable d'utiliser. Tu vois, c'est venu pour qui la langue qui peut causer gonaz, après, tu vois, c'est la langue là. Non, frère, c'est venu la langue qui est déjà sous son contrôle, voilà. Ce pouvoir. C'est la langue là qui vous servit. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il touche mon labousse et il dit à moi, bon Dieu, dire, voici, tu n'es capable de dire ce qui te content, cette terre. Cause n'importe qui te content. Je vais mettre tout sur la bouche sans le dire. Pas ça qu'il dit à Pharisée. Bon Dieu, dire, la parole de Dieu, bon Dieu, touche la bouche, Jérémie, et il dit, voici, je vais mettre mes paroles dans toute la bouche. Le langage de la foi, c'est un langage qui prononce parole de Dieu, qui déclare parole de Dieu. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, tu es capable de trouver mon frère, mon sœur. Même si vous ne pouvez pas dans un moment difficile, mais un moment compliqué, quand il paraît comme si pénassimé sur outil, comme si vous coincez, comment nous dire, la vie est vraiment compliquée. Pas de blâme, bon Dieu. Pas cause gonasse contre bon Dieu, pas faire complainte contre bon Dieu, pas pointer les doigts, mais trouve ça l'occasion-là. Sa situation-là vient l'opportunité pour capable faire l'expérience avec bon Dieu et grandir en maturité devant le Seigneur. Trouve ça comme une opportunité qui a vous porter. Seigneur, mon papa, dans ce moment difficile-là. Sa circonstance là peut soulever. Seigneur, sa situation là peut venir. Right? Mais on ne connaît pas derrière là, Seigneur. Pas blâme-li. Tu n'es pas derrière là, Seigneur. Pas un irresponsable. Non, Seigneur, tu n'es pas responsable. Ce n'est pas toi qui peux donner moi ça. C'est depuis à cause d'Adam et Ève finissent désobéir qui peut arriver ça. La désobéissance d'Adam et Ève. La malédiction finit rentrer. La maladie finit rentrer. Catastrophe peut rentrer. La souffrance, crime. Violence, pauvreté peut rentrer. Seigneur, à cause d'Adam et Ève, finit désobéir. Mais à cause de Jésus, finit mort pour nous. À cause de Jésus, finit obéir. Seigneur, mon Dieu, me confesser, me déclarer que sa circonstance n'est pas une opportunité pour moi pour faire l'expérience avec toi. De vous permettre qu'à travers cette situation-là, pour recevoir un miracle de ton part parce que c'est un bon Dieu fidèle. Parce que c'est un bon Dieu qui n'est pas menteur. Tu veilles ta parole pour accomplir à lui dans mon avis. Parce que quand tu finis de dire quelque chose, tu accomplis à lui, Seigneur. À cause de ça même, que je vous confesse, je vous déclare, Seigneur notre Dieu, qui je vous faire l'expérience avec toi. Continue de confesser comme ça, peuple de Dieu. Servis un langage spirituel, un langage de la foi, dans une conversation. De tous les jours. Le diable pour pousser pour dire vous dire n'importe quoi. Vous permettez pour pousser pour dire n'importe qui causer qui pas sortir dans la bouche. Mais sans qu'il vous réalise indirectement. Vous êtes capable de salir vous-même. Vous pouvez permettre Satan gagner l'avantage. Là. Mais prononcez ce qui est bon de dire. On fait ce qu'ils vont dire. C'est important, frère. Nous dire, nous avons une nouvelle créature. Qui veut dire nouvelle créature? Ou pas cause comment longtemps tu peux causer. T'as une nouvelle créature. Longtemps tu peux causer gonade, nous cause d'après la société qui dit, nous cause d'après qui l'information dit, nous cause d'après le journal dit, ce qui les autres disent, ce qui les voisins disent, ce qui m'ont ressenti, m'ont dit. Mais maintenant, on est de nouveau.
sa nouvelle naissance, sa nouveau homme qui fit né pour sa nouvelle naissance, sa nouvelle personne qui fit né pour sa nouvelle naissance là. Il n'est pas pareil, moi ça peut m'aider là ça. Ce langage n'est pas pareil. Sa façon de faire n'est pas pareil. Ce comportement n'est pas pareil. C'est un autre monde ça. Il n'est pas pareil. Peuple de Dieu, si nous arrivons, comprends ça. Si nous arrivons, comprends ça. Regarde, mon désir. Parce que je fais mes paroles dans la bouche. Guidez qui vous passez maintenant parce que paroles là dans la bouche. Il est le moment, pharisiens, que vous mettez paroles de la foi dans la bouche. Paroles de Dieu dans la bouche. Vous confessez ce qui est bon de dire. Ce qui sont paroles dire. Ce qu'il est fini ordonner. Ce qu'il est fini déclarer. Quand vous arrivez, c'est vu ça là où la langue. Parce que la langue finit sanctifiée maintenant par le sang de Jésus. Et qu'à travers les paroles en langue, où la langue finit être perfectionnée. Il passe à la langue qui est longtemps là. D'ailleurs, la Bible dit nous, dans Ésaïe, chapitre 50, verset 4, il dit nous, une langue exercée. Une langue qui finit passe par une l'épreuve. Elle a la langue disciplinée. Ou bien même la langue continue longtemps. Je connais beaucoup de gens raconter comment bon Dieu finit transforme les autres maintenant. Je ne pas cause, moi tu peux causer longtemps. Je ne pas composer, moi tu peux comporter longtemps. Nous avons une réaction longtemps, Farisa, quand nous avons un problème. Comment tu étais longtemps, Mazine? Comment tu peux vivre longtemps quand tu es dans un problème? Quand un problème s'y agit là, nous pas gagner un sommeil, ça fatigue la tête. Ou pas gagner l'appétit, ou pas capable de manger. Ou pas gagner faim. Le lame qui n'a beaucoup de gens, ou pas capable de tenir le coup. Ou de dire, on a suicidé. Qui fait? Parce que sa pression, là, il ne peut pas tenir. Il sent qu'il est faible. Donc, c'est même qui bon Dieu, pharisien, de nous sur parole. Parce que bon Dieu connaît que l'homme, avec la désobéissance d'Adam et Ève, se finira d'une grande faiblesse. L'homme, il est limité. Donc, c'est même qui dit le Saint-Esprit vient à nous faiblesse, vient à nous limiter. Il y a une faiblesse en nous. Il y en a qui ce que nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes. Nous avons besoin de l'Esprit, bon Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la parole de la foi en nous. Nous avons besoin que bon Dieu donne nous bonne parole et nous utilise cette bonne parole-là. Nous sortir dans nos situations. Et ça, c'est la grâce que nous gagnons, frères et sœurs. Mais nous, tu peux prier un Dieu qui, quand on a un problème, il tourne les dos avec vous. Vous connaissez qui dit ça? Ou tu peux prier un Dieu quand on tape sur la peau, quand on a un problème, il fait la sourde oreille. Il n'est pas connu là. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais nous rendre grâce à Dieu. C'est un bon Dieu qui crée la terre et le ciel qui contente tout le monde qui est sur la terre là. C'est un bon Dieu là qui donne nous Jésus pour sauver nous, pour délivrer nous. Étant nous croyons dans Jésus Christ, nous recevons lui comme un sauveur personnel. N'importe qui là qui nous tape sur la peau, Jésus vous dit à moi là, mon cœur a fait qu'il sauve pour toi. C'est très important ça. Pas honte, pas timide, pas peur. Pour rentrer dans la présence de Dieu, pour causer avec bon Dieu là. Pour dire lui, oui, c'est. Expose tout, mets tout sur la table. Cause avec lui à cœur ouvert, comment nous dire. Dis-lui tout. Explique-lui tout en détail. Dis connais-lui. Mais montre-lui que tu, si tu as envie de agir dans tout ce même détail là. Tu es intéressé qu'il agisse. Tu peux attendre ce secours. Tu peux attendre sur l'intervention. C'est tellement important. Et surtout quand nous disons où attendre. Il n'y a pas une attente comme si, à ce que mon Dieu va faire qu'il se pour. Mais c'est bien, c'est ce qui finit vers lui pour. Attendre veut dire. C'est un moment qui vous attrape, vous prenez l'île là. D'accord? Il y a qui dit, regarde, mon fin établis-toi à Zodji, parce que mon parole lit de la bouche. Parce qu'il est un moment que mon parole lit de la bouche quand tu confesses lui, quand tu menaces un langage de la foi là, dans mon parole. Qui te pour faire? Tu peux arracher et tu peux battre. Il y en a qui sont qui te pour bien arracher. Il y en a qui sont qui te vous besoin abattre. Il y en a même qui sont qui te vous besoin faire, te besoin ruiner, te besoin détruire. Peuple de Dieu, ça c'est ce côté œuvre qui nous besoin détruire par la parole de Dieu.
La semaine dernière, moi, tu causes avec comment la parole de Dieu est l'épée à double tranchant qui détruit l'adversaire. Quand vous utilisez, comment besoin utiliser, vous utilisez avec agressivité, avec, comment on dit, force, avec autorité, avec un langage imposant. L'adversaire, moi, cause à vous, hein. La maladie, les circonstances difficiles, le plan du diable dans la vie, ou utilise ça pour ce qui se passe. Qui peut arriver là-là? Ou peut arracher ce qui peut arracher dans la vie. Ou peut arracher ce qui peut arracher dans la vie aux familles. Ou peut arracher ce qui peut arracher dans le travail. Ou peut abattre ce qui peut abattre. Arracher, il fait réussir, ou peut abattre. Et on peut ruiner ce qui peut ruiner. Ruine veut dire faire ça, Félix, tu m'aplates. Aplates. Si là devant où, il y a plate. Tu ne peux pas tout les étudier. Fun. Et tu ou détruire. Mais seulement, il y en a ce côté-là, te bâtir. Quand la parole de Dieu est dans la bouche, tu as son langage de la foi là, tu as quelqu'un qui peut bâtir, tu peux construire. Tu es capable de construire ta la vie. Tu es capable de bâtir ton foyer. Tu es capable de bâtir ta famille. Tu es capable de bâtir ton business. Tu es capable de faire ton business qui se forme. Tu es capable de permettre l'église que tu étais qui se forme. Tu es la vie spirituelle qui se forme. Tu bâtir. Tu construire. Et qui te fait? Et te planter. Qui peut dire pas savoir ici? Le même terrain. Quand tu viens arracher, qui s'occupe, tu viens arracher. Le même terrain qui te viens abattre, qui te viens battu. Le même terrain qui te fait bien ruiner, qui s'occupe bien ruiner, détruire, qui s'occupe bien détruire. Le même terrain, la même te pour maintenant bâtir et te pour planter. Vous dites qui peut dire où là? Dans même la vie. Même qui s'occupe de tout mentou, même qui s'occupe de bloquer, même qui s'occupe empêcher aller de l'avant, qui s'occupe empêcher de progresser. Mais tant on décide. Pour un langage de la foi, un langage spirituel, un langage pour détruire ce qui peut être détruit dans la vie, un langage qui peut détruire, pour ruiner, pour abattre, pour arracher ce qui peut être arraché dans la vie. Là, vous êtes capable de construire une jolie vie spirituelle, une vie de prière, vous êtes capable de construire une vie de prière, une vie de consécration, vous êtes capable de permettre une sémence plantée, veut dire une sémence, une bonne sémence tombée dans la vie. Qui ou même bien sûr à la longue, vous pouvez manger un fruit et vous pouvez permettre un bien aimé manger un fruit ensemble avec vous. Père de Dieu, quelle promesse! Quelle promesse! Et ce qu'ils ont lu là-dedans, verset 12, il dit à nous, quand je veille sur ma parole pour l'exécuter, mon désir. Quand on peut déclarer sa parole là, parce qu'il y a la parole de Dieu que vous pouvez déclarer. Bon Dieu pouvait le soparo pour accomplir. Là où tu l'accomplis. Qui fait passer la parole de Dieu? N'importe qui parole que vous prononcez ou pas ou même. Non, il n'y a pas pour passer. Il n'y a pas d'affaire psychologique, ça m'a dit psychologique ou pas. Think positively. Talk positively. Act positively. Tout ça fait positivement, fait qu'il soit positif. Certes, il y a un effet positif quand on cause qui soit positif, on lit aux causes négatives. Mais ce n'est pas ça qui change le monde. Non. C'est quand on cause ce qui est bon désir. Quand on cause la parole de Dieu, ça qui change le monde. Ça qui permet le monde d'avancer. Parce que le créateur de tout seul, c'est le Dieu. C'est bien construit, hein? C'est bien bâti, hein? C'est bien planté. C'est bien faire récolte. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, pharisien, c'est parole efficace. C'est parole vivante qui permet tout faire l'expérience avec mon Dieu. Mais ça, c'est là pour vous venir dans la pharisien, le psaume 33. Le psaume 33. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Le psaume 33. Il dit, verset 9, Dieu dit. Et la chose arrive.
Il ordonne et elle existe. Vous vous dites, mais la Bible dit, Dieu qui dit, quand bon Dieu dit, les choses existaient. Quand il ordonnait, plus ou moins quand il dit qu'il se sont arrivés, quand il ordonnait, il existait. Mais si mon père sur parole qui tu peux le dire, là, mon père le dit, dis-moi. Dieu demande, mais ça le mot la bouche. Parce qu'il dit avec Jérémie, il touche sur la bouche, il dit, Allah, je mettre mes paroles dans toute la bouche. Vous voyez, sa parole qui vous sortit dans la bouche de Jérémie, là, c'est parole bon Dieu. Les moments qui bon Dieu, il dit à sa parole là, il peut arriver parce que bon Dieu, sa parole, ça, quand il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Peuple de Dieu, nous pas assez confesse la parole de Dieu. Nous pas assez pharisiens. Vous ne pouvez pas dire où confesser si on a encore un problème. C'est ça le gros problème. C'est quand nous quand un problème, là qui nous parle, mon Sibiaou, là nous vous plie présent, nous vous plie prier, nous vous plie zéné, nous vous plie tout. Après ça, quand tout correct, tiens, nous faisons une grande pause. Ça me dit, bon là. Langage, c'est un qui est utilisé, pharisien, grand matin tantôt. Les soirs, on utilise le langage, pharisien. Tous les jours, nous utilisons le langage. Le langage, ce n'est pas un moyen qui est utilisé quand nous gagnons le temps. C'est quand même pas, le monde, pas, tu peux exister. Tu vois une absence de communication. C'est communication qui permet de croissance. Donc, au travail, communiquer avec patron, patron communique avec vous, ou le téléphone, ou communiquer avec un kikan, right? Ou dans le collège, pour essayer de communiquer avec les élèves. Peut causer, peut expliquer, peut faire comprendre, un scientiste, un lot, etc. Qui sont arrivés? Parce qu'il y a une communication. Le langage existait. Mais il faudrait qu'il nous servisse en langage de la parole. Là, tous les jours, ça me peut dire. Même si tout correct, il ne faudrait pas nous dire tout correct, nous pas nous servir le langage de la foi. C'est-à-dire. Non, le langage de la foi, il servit à un moment-là. C'est parce que quand on a le langage de la foi, nous vous permettons de ça correct, là, reste correct. On continue à rester un peu correct encore. Il reste correct même encore. Merci Seigneur, gloire à Dieu. De Pierre, le chapitre 1er, verset 21. De Pierre, chapitre 1er, verset 21, dis-nous. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand on peut déclarer ce qui est bon Dieu de déclarer, mais on peut parler de la part de Dieu. Bon Dieu ne déclare ça, mais où peut déclarer dans place bon Dieu? On peut partager au nom de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Peuple de Dieu, même au corps qui, à chaque fois qu'il nous demande une situation difficile, laisse bon Dieu utiliser nous le cœur. Laisse bon Dieu cause à travers de nous. Laisse mettre même parole dans la bouche, afin que nous ne puissions pas parler de la part de Dieu. Vous trouvez quelqu'un dans une situation difficile? Pas de dire n'importe quoi, n'a pas de dire n'importe quelle parole qui vient dans vos pensées. Les mots inspirent à nous pour qu'on donner une parole qui est bizarre. D'accord? C'est tellement important. Il paraît que quand quelqu'un n'est pas bien là dans la pharmacie, il a rodé un comprimé. Il paraît qu'il y a demain un comprimé comme ça même. Il vient rodé un comprimé qui a un rapport avec ce qu'il peut gagner. Pour qu'il ne puisse pas sortir là-dedans. La parole de Dieu aussi pareil. Les mots servent nous la bouche pour lui donner une parole qui est bizarre. Cet homme, ce centenier qui est venu vers Ezekiel, il dit un mot, mon serviteur guéri. Il n'y a pas de dire n'importe qui mot, il dit tu peux dire c'est un mot qui vous permet de mon serviteur guéri là. Parce que tu n'as pas besoin de cause beaucoup, toi. Vous trouvez comment un mot guéri un démon? Un mot guéri un démon? Qui veut parce que
la bouche là, tu sais pas bon Dieu et parole bon Dieu sorti dans la bouche là. Il pas ou pas dire n'importe qui parole, ou ne donner une parole, il dit allez, elle médite là, tu es correct. Pas ça ça. Faut dire Dieu dit toi, donner une parole, te donner telle parole et les tout lui délivrer. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi. Ésaïe 50, tout à l'heure, moi tu fais référence avec vous, mon bon tour, on a fait important. Ésaïe 50, qui est tellement important, il dit que le Seigneur, verset 4, Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur l'Éternel fit de moi une langue exercée. Il demande la langue exercée. Afin qu'il ne soit pas soutenir man qui ken, qui a bâti, pour qu'il ne soit pas soutenir les autres par mes paroles, bon de Dieu. Il dit, éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Bon Dieu, éveille mes oreilles. Le serviteur de l'Éternel qui peut dire ça. Hein? Bon Dieu, éveille mes oreilles, veut dire, bon Dieu, il permet mes oreilles ouvertes. Pour qu'il soit capable d'écouter comme écoute mon disciple. Mon disciple, c'est quelqu'un qui peut étudier, qui peut apprendre. Un élève qui peut apprendre de la part de Dieu. Puis envie qu'on a la parole de Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Ouvert l'oreille. C'est un petit peu dire où? Il éveille chaque matin mon oreille, veut dire il ouvre mes oreilles. Je n'ai point résisté. Et je ne me suis point retiré en arrière. Il n'y a pas de reculer. Quand mon Dieu peut ouvrir ses oreilles, il n'y a pas de résister. C'est ça qu'il peut dire. Il ne peut pas résister, il ne peut pas reculer, il ne peut pas tourner les dos. Vous finissez simplement cette mes oreilles comme un disciple. Et quelqu'un qui a envie d'entendre, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'écouter. Mais c'est mal ici. Verset 4. Bon Dieu finit de moi en la langue exercée d'abord. Pour me capable soutenir même quelqu'un qui finit abattu. Il finit ouvert mes oreilles. Qui veut dire, peuple de Dieu, écoute-moi bien que je vous dis où là. Ça, la langue exercée là veut dire, c'est une langue qui est disciplinée, une langue qui déclare ce qui ses oreilles finissent d'entendre. Chaque matin, bon Dieu, pour cause avec lui. Ça, c'est éviter de Dieu, Esaïe. Bon Dieu, pour cause avec lui. Oui. Mais qui bon Dieu pour dire? Bon Dieu pour donner une parole. Quand il a besoin de soutenir quelqu'un qui a battu. Mais il a besoin de la langue exercée, veut dire, une langue qui prête, une langue qui disposée pour porter sa parole qu'il finit d'entendre. Elle déclare parole là. Pas de Dieu. Vous devez qu'il ne met plus beaucoup l'emphase aux oreilles qu'il a la langue. La langue, elle s'écoute les causer. Verset 4. Et puis, il continue, il vit les oreilles, il ne peut pas résister, etc., etc., etc. Veut dire pour moi l'éclair. Nous devons faire attention à ce qui nous tendait, parce que ce qui nous tendait, ça même qui nous peut dire. Si nous mal tendons, nous pouvons mal dire. Si nous ne faisons pas bien tendre, nous ne pouvons pas bien dire. Mais si nous faisons bien tendre, nous pouvons bien dire. Nous prenons la langue exercée. Qui fait nous cause nous la langue exercée, la langue disciplinée? Parce que nous cause nous disciples. Un disciple, il a besoin de venir pareil comme son maître. Mais pour lui venir pareil comme son maître, il a besoin de comprendre comment son maître peut expliquer. Et tu faisais d'une place sa parole-là, parole qu'il peut tendre de la part de son maître. Il est là, il vient pareil comme son maître. Si son maître peut dire A, il faut dire qu'on lui finit d'écouter, il finit d'entendre dire A. Il peut entendre dire A ben ou bien A B. Mais il n'est pas bon là. Il n'est pas la langue exercée là. Ça qui est bon, Dieu peut monter nous pour ça.
Libé, montrez-nous que nous besoin écoute bien ce parole, nous besoin comprendre bien ce parole, nous besoin prête nos oreilles, nous besoin écoute bien, saisir l'essence de ce parole. Comme ça, quand on n'a pas tant ce parole à nous déclarer, il y en a quelque chose à arriver. Parce qu'il disait que la langue exercée, pour soutenir même quelqu'un qui est abattu par sa parole-là, il n'est capable pas d'être monde, il n'est capable toi-même. Si tu as envie de délivrer de cet abattement-là, tu as besoin premièrement de connaître qui peut dire, qui bondé peut dire, et te déclarer comment bondé finit dire. Te déclarer pareil. C'est ça le gros problème. Et quand on finit dans Pierre, tout à l'heure, la pharisière, dans Pierre, d'accord? De Pierre, ça dit 1er verset 21, c'est une utilité verset 20. De Pierre, ça dit 1er verset 20, les causes nous interprétation. Le gros mal vient de l'interprétation. Qui fait souvent des fois, nous pas trop parole à réaliser dans notre vie, parce que parole là fut mal interprétée par nous, ou bien pas un petit monde qui nous cause avec nous. Il fait mal interpréter ce verset-là. Il fait donner un autre sens, une autre signification qui bondit pas, tu peux donner. Il est temps de nous prononcer, nous confesser, nous déclarer. Non, il ne peut pas arriver. Parce qu'il n'est pas une parole authentique. Il n'est pas sa parole qui bondit, tu peux dire là, la vraie parole. Il n'est pas dans l'exactitude. D'accord? Il est tellement important. À quoi c'est qui nous a besoin de faire? Nous ouvrir nos oreilles. Nous saisir l'essence. Quand il peut causer nos oreilles, il peut causer aussi nos oreilles spirituelles. Ne pas y stander. Ou quand tant de sons, ou tant de paroles là. Mais il peut appeler quelque part. Il tape aux oreilles là, il peut retourner, ou bien il peut bendiper, il peut tomber en place là. Il peut appeler pénétrer dans notre intérieur parce que nous, la parole de Dieu. Il pénétrise parce que c'est pas l'âme et l'esprit. Il pense qu'à là-bas, parce que c'est pas l'âme et l'esprit. Nous, l'âme pharisienne, c'est sa partie en nous qui fait nous raisonner, qui fait nous réfléchir, qui fait nous penser, qui pousse nous pour une imagination, qui, c'est nos volontés, c'est nos désirs, c'est nos ambitions, c'est nos affections, enfin. C'est nos bonnes pensées, nos sentiments. Il sait pas ça, parce que c'est dans l'âme qui problème l'arrivée, souvent des fois. Quand la parole là, y aller. Nous, l'âme qui peut questionner, nous raisonner, une hauteur qui est élevée contre la connaissance de Dieu, une hauteur, elle monter là, au-dedans de nous. Fais-nous réfléchir, fais-nous poser des questions. Qui fait-nous pas d'accord ou bien d'accord. Ou bien c'est interprété d'une façon que nous trouvons bon. Mais tout ça là, nous pas réussir à avoir un miracle comme ça. Les paroles embrouillées. Alors que c'est un pharisien qui nous bien écoute bien, il dit nous bien, pour que quand nous comprend bien, nous écoutons, nous comprenons. Right? La langue exercée rentre d'elle. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. D'accord? Laisse-nous que tu aies un verset, mon pensée qui. Nous, il y a des autres points que nous pouvons causer, mais pas trop si nous pourrions s'y rendre. Il y 15. Nous pourrions s'y rendre. Dans, nous guettons au moins ça à Josué, le chapitre 1er, là, écoute. Josué, le chapitre 1er. Merci Seigneur. Ça, c'est un joli exemple. Josué, le chapitre 1er, que le bon Dieu met l'enfant le sous parole avec Josué. Merci Seigneur. Nous te connais, pharisien, qui Moïse est mort. Nous te connais, qui Josué finit appelé pour remplacer lui. D'accord? Et bon, on dit avec Josué, tu connais, personne ne peut pas tenir devant toi, verset 5. Ça peut être le premier verset 5. Josué, personne ne peut pas tenir devant toi tant que tu peux vivre sur la terre. Personne. Bon, pas avec toi, comment moi, tu es avec Moïse, mon désir. Bon, pas pour délaisse-toi, mon papa abandonne-toi. Jolie promesse, pharisien, jolie parole. Grand promesse, grand parole. Bon, on l'a dit avec Josué. Ça m'a dit, toute sa parole que je m'obéis de toi, là, tu es bien fortifié, tu n'as pas en courage. Et il dit, personne ne peut tenir devant toi, personne ne peut capable faire du mal. Je ne peux pas vous délaisser, je ne peux pas vous abandonner toi. Il dit, prends courage.
qui veut dire bon Dieu, il finit de dire ce qu'il y a pour faire dans la vie de Jésus, qu'il y a pour faire au travers de lui, mais c'est à Jésus de décider si pas lui pour rentrer dans sa plan là ou bien pas pour rentrer. Bon, les diamants ont fait ce résultat pour remplacer Moïse, mais c'est Jésus qui peut dire oui ou bien non. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien pas d'accord? Est-ce qu'il est disposé? Parce qu'il connaît, Jésus, il trouve le peuple d'Israël, comment finir résister contre Moïse? Il trouve le peuple d'Israël, comment finir résister Moïse? Et derrière, il connaît les Jésus qui fait Moïse, pas réussir à rentrer dans les pays promis, c'est il finit emporté par la façon qu'un Israélien est composé devant lui. Il est vraiment débordé, moi nous dire. Mais Joseph, il y a une décision pour prendre. Est-ce qu'il est pour continuer à même sa paix de place un coup là? Si Moïse n'est pas capable, pas réussi pour amener Joseph dans le pays promis, dans sa bonté, il pas avec moi, comme il dit avec toi, avec toi, mais qui peut arriver? C'est moi qui ai dit, mais prends courage. Fautifier, tu rentres faux, c'est moi, tu as fait une faux. Ça peut plein de peuples, tu as fait faux, ça peut te guider. Prends courage. L'irrédiali verset 7, c'est pareil, seulement. L'irrédiali en quoi? Fortifier cela seulement. Tu t'en dis, mon toi là, seulement. Fais manier de fortifier toi. Et pas courage, etc., etc., etc. Mettre la parole de Dieu en pratique, pas détourner à gauche ni à droite. Tu pourras réussir dans tout ce qui te prend. Et là, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne un point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne un point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Premier point. Deuxième. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, bon de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et puis troisièmement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Trois qui se sont les faire. Trois. Et tous les trois importants. Parce que quand on fait une cause avec vous, l'engagement de la foi, quand on fait une cause avec vous, la vie de la foi, quand on fait une cause avec vous, faire ici la vie spirituelle, langage spirituel, langage de Dieu, langage de la vie spirituelle, de la mort avec Dieu, il y a trois lettres très importantes. Premièrement, que ce livre de la loi pas loin d'être la bouche. Qui veut dire pas loin d'être la bouche? Tu prends un livre là, tu mets côté la bouche. Quand tu as dormi un soir, tu mets un peu côté la bouche. Ça qui veut dire non, Varice. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, il est bien tout le temps à la disposition de ta bouche, il est bien tout le temps là, prêt pour sortir dans la bouche là. Parole là bien sortie dans la bouche, ça varie. C'est la parole de Dieu, fin faire pour sortir dans nous la bouche. Nous besoin confesser-li, nous besoin déclarer-li, nous besoin publier-li, nous besoin proclamer-li. Nous devons apprendre à confesser ce que bon Dieu dit. Pendant une journée, combien de fois nous confessons ce que bon Dieu dit? Ou capable dans des situations difficiles, ou confesse la parole de Dieu. Tout capable correct, ou confesse la parole de Dieu. Ou dans le tout, confesse la parole de bon Dieu. Ou peut voyager, confesse la parole de bon Dieu. Ou peut dormir, continue, confesse cette parole de Dieu. Dans tout ce qui vous fait, confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu. Arrête, confesse la parole de Dieu. Quand on confesse la parole de Dieu, right? Qui fait au capable confesser la parole de Dieu, le même qui vient au deuxième point, il dit au cas confesse la parole de Dieu, confessez, parce qu'il y a quelqu'un qui médite-lui. Ou bien médite la parole de Dieu. Méditer veut dire, ou pense profondément aux paroles-là, ou laisse parole-là pénétrer en haut, et ou laisse parole-là reste en haut, et ou pas oublier parole-là. Parce que la parole de Dieu, pharisiens, si nous oubliez, lui, comment nous vous confessez-lui? Lorsqu'il veut dire qu'on nous guette bien, hein, c'est un trio, ça. Quand on confesse la parole de Dieu, on ne va pas oublier lui. Quand on ne va pas oublier lui, on va vous confesser lui. Il y
depuis la plus loin d'ici, pour agir. Pour confesser la parole de Dieu, pour déclarer, qui fait? Parce que pour agir selon la parole-là. Je ne pas dire confesse-le, je médite-le. Mais ça, c'est trop facile la vie spirituelle. Vous connaissez? Ou bien dans mon lac, je ne me confesse la parole de Dieu, ou bien je me médite la parole de Dieu, je reste ma visite même, bien mettre en pratique, bien agir comme je finis dire la parole là. Là, qui vous pouvez faire? Vous pouvez faire un trio là, moi aussi. Pour trio là, peut venir correct, un dans l'autre, une connexion. Qui fait? Vous confessez, vous méditez, vous agir. Quand vous pouvez agir, vous confessez, vous méditez. Quand vous méditez, vous pouvez agir, vous confessez. Quand vous confessez, vous pouvez méditer, vous pouvez agir. Et aller comme ça. Là, qui veut dire? Cette l'eau, c'est tout dans la parole. Cette l'eau, c'est tout dans la parole de Dieu. Il est dans la parole de Dieu qui est arrivé. Il y a cet alors, l'air là. Il n'est pas dire qu'on confesse la parole de Dieu, qui est là que vous trouvez succès. Il est là que vous réussir. Pas dire ça. Il n'est pas dire quand tu confesses la parole de Dieu seulement, tu pourrais ici, tu boutes au succès. Pas dire ça. Il n'est pas dire quand tu médites seulement la parole de Dieu, tu médites, médites jour et nuit, tu pourrais ici, tu boutes au succès. Pas ça qu'il est dire. Il n'est pas dire quand tu médites seulement la parole de Dieu en pratique, que tu trouves succès et réussis. Il est dire quand tu confesses lui, quand tu médites lui, quand tu te mets en pratique, tu trouves succès et tu réussis. Qui veut dire tous les trois importants. Tous les trois importants, frères et sœurs. Il est tellement important qu'ils nous arrivent à réaliser, qu'ils confessent la parole de Dieu, c'est un langage de la foi. Je confesse-le parce que je médite-le. Je trouve-le réel, je trouve-le vrai, je trouve-le important. Et je médite-le qui fait parce que je suis capable de mettre en pratique, je ne peux pas l'oublier. Et quelqu'un qui dit une fois, on n'est pas capable de pas oublier la parole, c'est qu'on pratique-le. Quand on pratique quelque chose, on va oublier. Il paraît comme si, right, on a une place, jamais vous ne pouvez pas oublier qu'on a sa place là. Vous ne pouvez pas dire quelque chose, à un moment donné, oublier qu'on a quelque chose là. Mais si on a une place, jamais vous ne pouvez pas oublier qu'on a sa place là. Qui fait? Parce qu'il y a une action là-dedans. Vous finalez. Il y a une action là-dedans. D'accord? C'est toute action que vous faites, hein? Agir, hein? Action, difficile pour oublier. Méditez, vous ne pouvez pas oublier d'un moment donné. Vous finissez penser, 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 tellement vous finissez penser, jamais vous mettez en pratique. Pensez là, à un moment donné, l'affaiblit. Parce que vous ne mettez en pratique jamais. Vous dites pensez où? Right? Mais quand vous mettez en pratique, il devient une réalité. Il paraît même un garçon qui identifie, tu es mon contentant. Il peut confesser là, dire. Sa parole là, parce que tout là. Mon contentant, mon contentant, mon contentant. Méditez. Il identifie là comme un tantôt. Il pense comme un tantôt. Il n'est pas servi dans rien. Moi, il dit mon camarade. Arrête de faire l'air. Moi, il y a une fois pour toutes, ouais, tu es correct. Tu n'as pas besoin de confesser beaucoup, tu n'as pas besoin de méditer beaucoup, parce qu'il est avec toi tous les jours. D'accord? Quand tu causes, tu causes en lien, c'est ça? Et quand tu médites, tu médites, tu penses, il est devant toi, tu l'as tout roulé là, pas besoin de conséquences, tu penses, il n'a pas besoin de penser. D'accord? Il est tellement important que ce livre de la loi n'est selon un point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir selon, fidèlement, selon tout ce qui est écrit, quand c'est alors. Que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu es réussiras. Ça veut dire prospérer, tu vas prospérer là-là. Vous trouvez, pharisiens, c'est ça qui veut dire le langage de la foi. Même s'il y a les versets encore qui est important, vous pensez si toutefois, la semaine prochaine, nous arrivons là-dedans, mais il y a un joli point encore qui montre nous comment nous langage de la foi est tellement important. Right? Mon médite la parole de Dieu, mon confesse-le, mon médite la parole de Dieu, mon vive-le, peuple de Dieu, le succès vous accompagne. Mon basé sur cette parole-là, mon pensée profondément, mon début, j'ai bien fait ça, mais jamais mon félicitement. Mon juste méditer, mon début, mon méditer, après, on va mettre en pratique. Mettez-le en pratique, tu ne vas pas oublier ce que tu peux méditer. Mettez-le en pratique, tu ne vas pas oublier ce que tu peux confesser. D'accord? Que le Seigneur bénisse les frères et sœurs en Christ. Je crois que cette parole fin bénisse ce soir. Et je demande à vous de porter un camarade. J'ai besoin d'un camarade, mon corps. Dans Facebook, hein? Beaucoup de friends. Right? Portez-le sur un camarade. Vous êtes aussi bien sa même parole là dans votre vie. Et vous êtes capable, vous êtes aussi conscient qu'il y a un Dieu qui vous le fait. Vous dites bien. Et comment vous êtes capable de trouver le succès. Et vous êtes capable de réussir dans votre vie et prospérer.
dans notre vie de tous les jours. Peuple de Dieu, laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, nous rendons-toi grâce pour cette parole qui finit fait nous dit bien. Oui, tu finis montre-nous combien il y a besoin d'un langage de la foi, un langage spirituel, notre Dieu, côté là, Seigneur, dans n'importe dans quel état, dans quel moment nous sommes capables de passer, nous bout tout le temps, et dans notre parole, nous la bouche, pour déclarer, Seigneur, notre Dieu, nous prenons quelqu'un qui pour méditer ta parole, notre Dieu, pour en profondeur, pour examiner en profondeur ta parole, Seigneur, notre Dieu, pour ne pas oublier, et nous pour pratiquer, Seigneur, nous pour vivre le plus vite possible, notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous les louons, toi, nous les bénis, toi, pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, 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 amen. Il ne tout connaît, Pharisiens, dans Deutéronome 28, le verset 1er au verset 14, il cause nous plusieurs bénédictions qui accompagnent Benjamin. Mais ça m'a dit, hein, c'est quand tu écoutes la parole et tu mets les en pratique. Ça m'a une bénédiction à couler de toute la vie. D'accord? Mettre en pratique, là, c'est un grand rôle. Il permet de bénédiction couler dans nous la vie pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, la prochaine fois. Bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.